Bonjour. L'environnement est la deuxième préoccupation des Français après le chômage. Mais c'est la dernière des préoccupations des gouvernements qui se sont succédés depuis plusieurs années. Le budget consacré à l'environnement n'a cessé de baisser depuis 14 ans. Et aujourd'hui, le ministère de l'Environnement a moins du millième du budget de l'État. Et puis, vous le savez bien, notre classe politique, face au pouvoir de l'argent, est toujours prête à prostituer nos paysages, à polluer nos rivières. Face au pouvoir de la technocratie, elle se soumet. Elle se soumet, par exemple, pour construire encore davantage de centrales nucléaires. Alors, si nous regardons autour de nous, le résultat, eh bien, nous voyons une France défigurée. Défigurée par l'anarchie dans les constructions, par des choix de développement totalement anachroniques et qui conduisent à faire déferler le béton dans la montagne, sur le littoral. Les bocages sont arrachés, les rivages sont pollués et des espèces animales sont menacées. Il reste moins de 20 ours dans les Pyrénées aujourd'hui. Et si l'on autorise l'exploitation des forêts où ils se trouvent, eh bien l'ours aura disparu demain de notre pays après des millénaires de présence. La forêt méditerranéenne brûle chaque année. Chaque année, le feu laisse derrière soi des troncs calcinés et des amas de pierres. Il ne suffit pas de vouloir combattre le feu, il faut empêcher qu'il se déclare. Et cela exige une volonté politique. Mais regardons ce qui se passe dans notre environnement quotidien. Notre environnement quotidien, la plupart d'entre nous, c'est la ville. Eh bien, je vais vous emmener en ville. Et vous allez écouter ce qui pourrait être le rêve. Et vous allez regarder la réalité. La ville, c'est le bruit, la ville, c'est la pollution. Mais cette pollution qui s'échappe des gaz d'échappement de nos véhicules, eh bien, elle ne s'évapore pas, elle retombe au sol. Et la conséquence, eh bien, c'est la mort de nos forêts. 20% de la forêt française, aujourd'hui, est touchée. Et je vous propose d'aller dans l'une de ces forêts. C'est une forêt sur la frontière entre la Suisse et la France. Nous sommes dans une forêt d'altitude, immédiatement sous la Dôle, et nous avons en face de nous un paysage absolument sublime. Et pourtant, si vous analysez la qualité de ces arbres, qui sont plus que centenaires, vous voyez leur déclin progressif, l'un après l'autre, ces arbres sont condamnés. Ils subsisteront quelques petits mois encore, mais irrémédiablement, le paysage va changer du tout au tout. Et notre inquiétude est encore renforcée par le fait que ces forêts ne se renouvellent pas ou se renouvellent à une cadence tellement lente qu'il faudra plus de deux générations d'hommes avant qu'on voit repointer les premiers signes d'une végétation nouvelle. Et c'est peut-être la dernière fois que vous verrez le paysage sous cette lumière et dans cette qualité.
Eh bien, ces arbres que l'on abat, ce sont des arbres en train de mourir. Et je vais vous montrer maintenant deux autres images. La première, c'est la forêt il y a quelques années. La seconde, ce qu'elle est devenue. Alors, est-ce que vous voulez que les forêts françaises, demain, ressemblent à cela? Il faut savoir qu'en 1985, le gouvernement a refusé, alors que l'ensemble des partenaires européens le demandaient, d'appliquer immédiatement les mesures qui s'imposaient, c'est-à-dire le pot catalytique sur la voiture et la généralisation de l'essence en plomb. Parce que dans notre pays, la force verte n'est pas encore suffisamment puissante pour pouvoir imposer ce type de décision. Néanmoins, les associations se battent sur le terrain. Et j'ai avec moi ici Claire Schlecht. Claire Schlecht, qui est animatrice d'une association et qui s'est battue notamment pour la prise en compte de l'environnement dans le projet de construction du pont de Normandie. Claire Schlecht, je crois que vous avez obtenu au moins partiellement satisfaction. On est encore en train de mener un combat contre un projet de pont qui condamnait à la mort à terme et à court terme une nature très riche aussi bien en fleurs et en oiseaux, mais aussi en produits pour la pêche. Et sans la mobilisation des associations autour de ce projet, nous n'aurions rien obtenu, ni les techniciens, ni le ministère de l'Environnement, ni la population. Et maintenant, dans la prise en compte du projet, nous pouvons espérer que la nature soit sauvegardée et le budget qui a été consacré pour cela a été multiplié par 3 grâce à notre action. Cela veut dire qu'il faut que les associations soient aidées pour qu'elles puissent effectivement agir. Autre problème, le problème du nucléaire. Monique Séné est la présidente du groupement des scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire. Alors, est-ce que finalement le nuage de Tchernobyl a eu des effets sur notre alimentation? Le nuage de Tchernobyl a eu des effets sur notre alimentation et c'est effectivement une très grossière erreur qu'a commise le gouvernement lorsque le nuage est passé sur la France, de ne pas en avertir les Français et d'éviter justement que par exemple, en laissant les vaches à l'étable, on évite que le lait soit contaminé, ou bien simplement en mettant des bâches plastiques sur les champs, on évite aussi que les épinards ou les salades soient contaminées. C'est une grossière erreur qu'a fait le gouvernement à ce moment-là. Et je pense que les Français doivent s'en souvenir. Est-ce qu'elle n'a pas aussi été une erreur criminelle dans une certaine mesure? Est-ce que finalement ça n'a pas eu aussi un effet sur la santé humaine? Ça a un effet sur la santé humaine parce que sur certains points, tels la Drôme, l'Alsace et la Corse, les quantités qui se sont accumulées étaient suffisantes au moins pour faire qu'il y ait des effets pathologiques dus aux radiations. C'est-à-dire que ce n'est pas un effet où les personnes meurent, mais c'est un effet qui rend les gens plus fragiles et qui, disons... Je crois qu'il y a un rapport médical qui, en Corse, a montré qu'il y avait une aggravation de la pathologie thyroïdienne. Exactement. C'est parce que là, le nuage est passé, il était plein d'iode, et donc l'iode s'est accumulé dans la thyroïde des enfants en particulier, et il y a il semble qu'il y ait une pathologie spéciale qui se développe et que des enfants soient atteints de maladies qui ne sont pas... Évidemment, ils ne vont pas mourir, mais ils auront toute leur vie un syndrome du... Non, est-ce que Tchernobyl est possible en France? Tchernobyl, bien sûr, non, parce que nous n'avons pas de centrale de ce type, mais un accident du type Tchernobyl, bien sûr, c'est possible. Et le rapport, d'ailleurs, de M. Roche, qui est au niveau du Sénat, a montré qu'il était... On pouvait envisager que l'enceinte de confinement ne résiste pas à une explosion de la puissance de celle de Tchernobyl. Et bon, ce qui a quand même été absolument extraordinaire, c'est qu'il a fallu qu'il consulte un Belge pour pouvoir donner cette réponse. Puis alors on a la machine la plus terrifiante qui soit, qui est Creys-Malville, le surgénérateur, dont on vient de découvrir qu'il y a 14 points de faiblesse sur cette machine-là. Le surgénérateur... Actuellement, c'est vraiment chaque fois qu'on en parle, on découvre, disons, quelque chose de nouveau. La première chose a été évidemment la fuite au Barillet. Pendant un temps, les autorités de sûreté ne voulaient même pas l'arrêter, alors qu'on ne pouvait pas laisser fonctionner un prototype avec une panne de ce type. Et puis maintenant, on s'aperçoit qu'on a pris des radios
sur cet appareil au moment où on était en train de le construire et qu'on ne les a pas regardées avec suffisamment d'attention. On vient donc de les reprendre toutes et de découvrir qu'il y avait 19 radios douteuses. Est-ce que l'une des impasses finalement de ce programme nucléaire, ce ne sont pas les déchets ? Ah ça, alors c'est l'impasse la plus grosse, parce qu'effectivement, nous avons construit des centrales, nous savons maintenant qu'en 1990, nous en aurons au moins une quinzaine de trop, si ce n'est pas davantage, c'est-à-dire, mais les déchets, nous les aurons, parce que nous allons effectivement exporter cette électricité dans toute l'Europe, mais nous n'exporterons pas nos déchets, jamais nous ne leur donnerons un fût. Eh bien, il est pourtant possible de se passer du nucléaire en France. Vous voyez, ceci, c'est une barre d'aluminium recyclé. Il faut 10 fois moins d'énergie pour produire de l'aluminium recyclé que de l'aluminium de première fusion. Or, la France, aujourd'hui, ne couvre que 40% de ses besoins en aluminium recyclé, alors que la moyenne des pays industrialisés est de 70% et que cette moyenne atteint 95% au Japon. Mais la France n'a plus de politique énergétique. La France a supprimé les déductions fiscales pour les économies d'énergie. Elle a réduit les moyens mis en œuvre pour l'Agence française pour la maîtrise des énergies. Il n'y a plus de politique énergétique. Alors, à travers le développement des économies d'énergie, de nouvelles technologies comme le solaire, par exemple, il est possible dans une dizaine d'années de se passer complètement du nucléaire à l'image de ce qu'ont fait tous les pays européens. Mais je vous propose maintenant une parenthèse d'humour et de poésie avec Marc Jolivet qui nous entraîne dans un futur proche. Je vous raconte pas, je viens de rencontrer un extraterrestre. Oh, pitié, allez, je vous raconte. J'étais là, j'étais là, il vient vers moi, homme ou femme, ça je sais pas, hein. Mais même ici sur Terre, je vois pas toujours bien la différence. Hein. Enfin, c'est pas grave, parce que pour nous les écologistes, tout le monde est pareil. Sauf les chiens. Et encore, hein, ce qu'on n'aime pas, c'est les Malinois. Enfin, surtout moi, parce que quand j'étais petit, j'ai été mordu par un Malinois. Bon, et l'extraterrestre me dit, merci pour les trous. Mais quels trous? Les trous d'ozone du pôle Nord. Et il m'explique que les extraterrestres n'aiment pas passer à travers la couche d'ozone parce que ça leur donne des crises d'urticaire épouvantables. C'est dingue! Nous, c'est différent. S'il n'y a plus d'ozone, c'est pas l'urticaire, c'est le cancer. Oh, cancer, musique! Il avait l'air sympa, l'extraterrestre, mais c'était pas une lumière quand même, hein, ça se voyait tout de suite. Mais bon, moi je vois en lui tout de suite un nouveau client et je lui fais la totale. L'écologie, Tchernobyl, la pollution du Rhin, le fleuve, la pollution du foie, le foie et les marées noires. Et là, il craque. Il tombe dans mes bras en pleurant. Et il m'explique qu'il était venu pour refaire des photos qu'il avait déjà fait il y a 500 ans. Des photos de la mer, de la côte bretonne, sublime, avec des couleurs inoubliables. Et que ça a fait rêver des dizaines de galaxies. Eh, extraterrestre, d'accord, mais je me demande s'il n'était pas un petit peu baratineur. Dans le doute, je lui refile le programme de la campagne écologiste. Eh ouais, on sait jamais. S'il a autant de copains qu'il le dit, et qu'ils aiment la Terre plus que nous on la respecte, c'est un potentiel d'électeurs futurs pas dégueulasse. Non, parce que c'est vrai, on démarre assez bas, hein, faut pas se le cacher, mais on garde le moral. Donc, il me prend le programme, il me serre la main, il disparaît. Poli, mais rapide. Mon conseil, si vous croisez un extraterrestre, donnez-lui notre programme. Comment les reconnaître? C'est simple. Ils sont ni hommes ni femmes. Ils sont pas venus depuis 500 ans. Ils sont un peu baratineurs, polis mais rapides. Mais ils sont fous amoureux des couleurs de la mer. Mais attention, on peut aussi rencontrer des gens qui sont amoureux fous des couleurs de la mer et qui ne soient pas des extraterrestres. Mais c'est rare. Roger. Il faut qu'il y ait une volonté politique. Pour que cette volonté politique existe, c'est vous qui devez l'exprimer. Et vous pouvez l'exprimer au premier tour de cette élection présidentielle. Alors, ne vous gênez pas, le premier tour de l'élection présidentielle, c'est le vote vert.